Ephrata, ouvre-toi. Ephrata, ouvre-toi. Ephrata, ouvre-toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Marc, le chapitre 7. Bien-aimé, le verset 34. La Bible dit, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire, ouvre-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier maintenant pour que les choses s'ouvrent dans nos vies. Bien-aimé, assez de problèmes compliqués, des limitations maléfiques. Aujourd'hui, nous déclarons, Ephrata, ouvre-toi. Ephrata, ouvre-toi. Il faut, bien-aimé dans le Seigneur, que les chaînes des limitations maléfiques soient brisées. Il faut que les chaînes des limitations sorcelleriques soient brisées. Qui a limité ta vie? Qui a interdit à ta vie de toucher au miracle? Qui a interdit à ta vie de toucher à la gloire de Dieu? Qui a interdit à ta vie de toucher à la puissance de Dieu? Aujourd'hui, tu vas déclarer comme Jésus, Ephrata, ouvre-toi. Les ouvertures vont commencer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui a bloqué ta vie. C'est lui qui t'a empêché de progresser. C'est lui qui t'a empêché d'avancer. Les limitations, les esprits mauvais, les sorciers qui s'opposent à ce que tu avances, qui s'opposent à ce que tu vives le miracle, qui s'opposent à ce que tu vives la gloire, qui s'opposent à ce que tu vives des grandes choses dans ta vie. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. De choses doivent changer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une sainte colère. C'est une prière de la sainte colère. Assez, c'est assez. De choses doivent changer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant t'attaquer maintenant à toute forme de blocage dans ta vie. À toute forme de blocage dans ta vie. Bien-aimé, tu y es bloqué le lundi. Tu y es bloqué le mardi. Tu y es bloqué le mercredi. Tu y es bloqué le jeudi. Tu y es bloqué le vendredi. Tu y es bloqué le samedi. Tout ce que tu fais, il n'y a que blocage sur blocage. Il n'y a que blocage sur blocage. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Lève-toi dans la prière. Tu vas prier maintenant. Tu vas t'attaquer à tout blocage dans ta vie. Déclare avec moi, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise tout blocage dans ma vie. Tout blocage dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toute limitation maléfique dans ma vie, ce soir, ce matin, maintenant, je le brise, au nom puissant de Jésus-Christ, toute personne qui s'est levée à la frontière de ma destinée, pour bloquer mes percées divines. Aujourd'hui, je le brise. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu pour briser les barrières maléfiques qui m'empêchent d'entrer dans mon mariage. J'envoie le feu de Dieu pour briser les barrières sorcelleriques qui m'empêchent d'entrer dans mon travail. J'envoie le feu de Dieu pour briser les barrières maléfiques qui m'empêchent d'entrer dans mon CDI. J'envoie le feu de Dieu qui m'empêche. Qui empêche ma vie de progresser? Qui empêche ma vie d'aller de l'avant? Quel est ce Goliath qui s'est levé
contre ma vie. Aujourd'hui, je l'envoie le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'élever avec la prière. Tu vas t'élever dans la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Et tu vas faire tomber tout le Goliath qui s'oppose à ta percée. Tout le Goliath qui s'oppose à ta vie. Qu'il soit frappé maintenant. Qu'il soit frappé maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'heure de la sainte colère. C'est l'heure de la sainte colère. C'est l'heure de la sainte colère. Lorsque l'ennemi t'attaque, bien-aimé dans le Seigneur, il ne joue pas. Il ne joue pas. Lorsque tu veux détruire ses œuvres, il ne faut pas jouer. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas pour la prière, personne ne se levera à ta place. Si tu ne combats pas dans la prière, personne ne combattra à ta place. C'est le temps maintenant de renverser le Goliath. Quel est ce Goliath qui s'est levé dans ta famille? Aujourd'hui, il doit être renversé. J'ai dit aujourd'hui, il doit être renversé. Commence à prier maintenant que tout Goliath qui s'élève contre ma vie, qu'il soit frappé, qu'il soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout Goliath qui s'élève contre ma vie, qu'il soit frappé, qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que tout Goliath qui s'oppose à ma percée divine, que tout Goliath qui s'oppose à mon miracle soit renversé, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout Goliath qui s'élève contre ma percée, contre mes enfants, contre mon mari, contre ma femme, contre mes affaires, contre mes contrats, contre mes clients, qu'ils soient renversés, qu'ils soient frappés. Au nom de Jésus-Christ, je dois percer, je dois aller de l'avant, je dois faire des grandes choses, je dois entreprendre des grandes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout Goliath de ma famille qui s'est levé dans la sorcellerie pour combattre ma vie, qu'il soit frappé maintenant, qu'il soit frappé maintenant par le feu de Dieu. Faya ya 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 ya. Faya ya 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 ya. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout Goliath qui s'élève contre mon destin glorieux, que tout Goliath qui s'élève contre mon étoile soit frappé maintenant, soit frappé maintenant. Seigneur Dieu, je libère le feu de Dieu depuis le ciel. Que le feu de Dieu localise tout Goliath qui s'élève contre ma vie. Que le feu de Dieu localise tout Goliath qui s'élève contre ma percée. Que le feu de Dieu localise tout Goliath qui s'élève contre mes enfants. Que le feu de Dieu localise tout Goliath qui s'élève contre mon mariage maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je dis Éphrata, je dis Éphrata, au nom de Jésus-Christ, je dis Éphrata, ouvre-toi. Au nom de Jésus-Christ, je brise, éternel Dieu, les barrières qui m'empêchent d'entrer dans mon mariage. À chaque fois que le mariage arrive dans ma vie, je retourne toujours à la case de départ. J'en ai assez de déceptions dans ma vie sentimentale. J'en ai assez de déceptions dans ma vie sentimentale. Aujourd'hui, 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 c'est lui qui a vendu ma robe de mariage. C'est lui qui combat mon mariage. C'est lui qui a vendu ma bague de mariage. C'est lui qui m'a marié la nuit. Doit être frappé, doit être frappé. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, répète avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, commence à prier et répète avec moi que tout Goliath qui s'est levé contre mon mariage, que tout Goliath, toute personne, tout prêtre maléfique, tout sorcier qui s'élève contre mon mariage, toute personne qui m'a marié la nuit, je brise ce mariage, je brise ce mariage, je brise ce mariage au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Toute personne qui a volé ma bague de mariage, toute personne qui a volé mon alliance, toute personne qui a volé ma robe de mariage, aujourd'hui, qu'il soit frappé maintenant, qu'il soit frappé maintenant par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Faïa, ya, 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 ya. Faïa, ya, 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 ya. Faïa, ya, 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 ya. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute personne qui s'est levée contre mon mariage aujourd'hui, qu'il soit frappé. J'ai dit, Ephrata, ouvre-toi, que mon mariage s'ouvre, que ma vie sentimentale soit débloquée. Au nom de Jésus, je refuse de mourir célibataire. Je refuse de continuer célibataire. Je refuse de continuer célibataire. Aujourd'hui, 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 c'est mon mariage. Aujourd'hui, mon mariage arrive. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui a volé ma bague, maintenant, je déclare et j'ordonne restitution, restitution totale au nom puissant de Jésus-Christ. Ephrata, ouvre-toi, Ephrata, ouvre-toi au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne mon mariage, j'ordonne mon mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui est à l'opposition, qui est en train de me combattre, que toute opposition maléfique dans ma famille qui s'oppose à mon étoile, qui s'oppose à mon destin, soit frappé, soit soumis, soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'attaque à ce grand Goliath qui s'est levé pour défier mon Dieu. Aujourd'hui, sa tête va être coupée. Aujourd'hui, il tombe. Aujourd'hui, il tombe. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train d'écouter cette prière, lève ta main droite, ta main d'autorité. Commence à utiliser cette main comme l'épée de Dieu. Commence à couper la tête de Goliath. Commence à briser les œuvres de Goliath. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'entends quelqu'un prier. Bien-aimé, c'est la sainte colère. C'est la sainte colère. C'est la sainte colère. Et braga baba basopro ramanda la malo soto rebache kamaloso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, 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 ma vie prend une autre dimension. Toute barrière qui empêche le progrès, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, ces barrières maléfiques tombent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta main droite comme le marteau. Commence maintenant à briser les autels qui résistent à ta destinée, les autels qui résistent à ton étoile, les autels qui résistent à ta percée, les autels qui résistent à ton progrès. Commence à les briser, commence à les briser, commence à les briser comme Gédéon. Commence à les renverser, commence à les renverser au nom puissante de Jésus. Faïa, ya, 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 ya. Commence à renverser les autels de côté de ton père, du côté de ta mère, qui s'opposent à ta percée. Commence à les renverser, commence à les briser. Aujourd'hui, l'autel de la sorcellerie de mon père, l'autel de la sorcellerie de ma mère, l'autel de la sorcellerie du côté de mon père, l'autel de la sorcellerie du côté de ma mère, l'autel de la sorcellerie de la lignée de mon père, l'autel de la sorcellerie de la lignée de ma mère. Aujourd'hui, aujourd'hui, par le marteau de Dieu, je le brise maintenant, je le brise maintenant, je le pulvérise maintenant, je le détruis maintenant, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Il y a un miracle qui arrive dans ta vie. Laisse que Dieu te donne la sainte colère.
Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Tu ne peux plus continuer comme ça. Assez, c'est assez. Que cabro choto l'obragasa. Ramamamama, chaîne de rebega. Commence maintenant à prendre tes deux mains. Prends tes deux mains et utilise l'huile d'onction que j'ai bénie. Et tu prends tes deux mains. Tu poses ça sur ta tête. Commence à bénir ta vie. Commence à bénir ta vie. Déclare des paroles de bénédiction sur toi. Déclare les paroles de bénédiction sur toi. Déclare que moi, Joël, je suis le béni de Dieu. Déclare, cite ton nom et commence à bénir ta vie. Commence à bénir ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ephrata, 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 ouvre-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Commence à dire merci à Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu pour ta victoire. Je suis en train de t'entendre. En train d'acclamer le Seigneur. Acclame là où tu es. Acclame ta victoire. Acclame ton succès. Acclame ton miracle. Acclame ta percée. Acclame ton mariage. Acclame parce que cela arrive au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.